Serge Hollmann, d'origine alsacienne, malheureusement pas breton, mais on est fiers aussi des origines de la Bretagne, puisque tout le monde nous surnomme les Bretons, et puis on est fiers de ce que l'on a accompli au niveau sportif, aussi bien sportif que à travers les médias et tout ce qui se passe sur l'île de la Réunion, quoi. Nous, la renommée de la Bretagne, c'est que il y a à peu près une centaine d'années, 100-150 ans, c'était un peu le potager de la Réunion. C'est-à-dire que tous les fruits et légumes, surtout les légumes, venaient de la Bretagne. Et les gens appelaient ça le potager de la Bretagne. Et on fournissait jusqu'au sud de l'île, c'est-à-dire toute l'île de la Réunion. Et on a un peu comme en Bretagne. Bon, il y a moins de soleil en Bretagne, ça c'est clair. Mais là, on a le soleil et l'eau. Et donc ça, c'est très important parce que ça permet de dégager des très bons produits, quoi. Mais on a eu que le bus, on a les minibus, et maintenant il nous manque plus qu'un partenariat, ça c'était le troisième objectif, un partenariat en Bretagne, en métropole, avec les Bretons de la Réunion. Voilà. Donc c'est un message lancé à ceux qui veulent bien nous entendre, mais on aimerait bien faire un partenariat parce qu'on a des joueurs de valeur, et puis surtout aussi dans le cadre des jeunes, s'ils veulent venir découvrir la Réunion, il n'y a aucun problème. Et nous, de notre côté, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien, comme ils disent aussi à la Réunion ici, sauter la mer, donc prendre l'avion et aller en métropole, donc sauter la mer pour aller visiter un peu la métropole. Beaucoup n'ont pas eu la chance encore d'aller en métropole.